C'est YouTube, bonjour. Le retour, enfin le retour, non d'ailleurs, parce que toi t'as pas eu de pause. La suite avec Youssef Tahirzad. Alors, depuis les dernières VOD, depuis la dernière VOD, on est là, on est sur l'épisode 4 si je me trompe pas, il y a eu un patch qui a été fait par Paradox. Et normalement, ils ont quand même plus ou moins réglé le fait qu'il y ait des prétendants au trône toutes les 3 minutes. On avait calculé la dernière fois, c'était quand même vraiment abusé. Normalement, ça a été patché. Donc, on va croiser les doigts, on va voir ça tout de suite. Est-ce que toi aussi, tu vas croiser les doigts et tu vas voir ça tout de suite? Dis-le moi dans les commentaires, bien sûr. Voilà. J'ai essayé le DLC hier et comme je connais pas, j'ai tout de suite été perdu. Je comprends, totalement. Il est pas simple, même pour moi qui connais bien le jeu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Est-ce qu'on va croiser les croisés? J'espère qu'on va pas se faire les croisés surtout, parce que bon, bah... Sinon, on pourra pas devenir joueur de foot professionnel, quoi. Polyglotte. Oui, c'est moi, oui. Alors que je me promène dans la cour, je vois un morceau de parchemin qui tourbillonne dans la brise. D'accord. C'est une autre langue. Elle parle quoi, elle? Ah, le sogdien. C'est du turcique, ça. Ah non. Ah, vas-y, on va apprendre une autre langue. Donc, alors, prochaine cible, ce sera, je pense, ça, ça, et cela. Et après, l'Azerbaïdjan. Parce que j'aimerais bien la continuité territoriale. Il y a Herat aussi par ici, bien sûr. Mais voilà. L'idéal, ce serait vraiment de prendre le l'équivalent de l'Empire Perse. Hein, que ce soit bah, notre maison, quoi. Globalement. On risque de louper la croisiflette. Salut Mystique, comment vas-tu? Fin de game en 1072. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reconnaissance du prestige des mathématiques indiennes. Même les plus humbles des étudiants en arithmétique en font les louanges. C'est vrai. C'est vrai, mais j'ai pas envie que ça me coûte de l'argent. On va demander. Ouais, bah même pas. C'est lequel? C'était lui? Non, c'était lequel? Lui? Je sais pas. Ah, c'était lui. Ouais, bah ça va. Salut Corazon, comment vas-tu? Quasiment sûr, ça va être complexe cette partie. Ça va être complexe, ouais. J'ai pas relevé le jeu de mots, hein, bien sûr. On est au-delà de ça. Bon, les Dinawar. On va y aller, c'est pas mal d'être à côté de l'Inde pour les relations diplo. Oui. Alors, s'il y a moyen de s'allier avec eux, bien sûr. Ce qui n'est pas gagné, hein, mais... Allez, petite guerre vite fait. Pour un comté. Ils ont... Ah, oh, j'oublie tout le temps ce bruit de ces morts. Ah, oh, mais vraiment, c'est... Putain. À l'aide. C'est insupportable. Alors, bonsoir. Aïe aïe aïe, terrible aussi. Terrible. C'est moche. Faut faire plus de guerre pour arrêter d'être surpris. Non, je pense que je serai surpris jusqu'à la fin. Alors, normalement, ils sont censés l'avoir patché. Ce qui fait que le fait qu'un roi veuille le revendiquer, c'est normal. Dans le truc iranien, c'est normal. Normalement, il n'y aura plus de pécores qui le feront. Les musiques sont stylées quand même. C'est le prix de la caravane de ces morts. Ouais, l'Inde est pas hyper tolérante aujourd'hui au niveau religieux pour Smoguer. Hein. C'est pas. Pas pour Smoguer, le ciel. À l'époque, peut-être. Un festin pénible. Alors, soit je deviens impatient, soit timide, soit gourmand. Bah, impatient. Hein. 100%. Soit... Oh non, putain, mais ça continue, en fait. En fait, ça continue. C'est fou. Bon, on en est déjà à deux. Ça donne quoi le développement des terres? En vrai, ça va. Chez moi, ça va. On a pris Isfahan, là. Mon ancienne capitale, mon autre ancienne capitale, ma capitale actuelle. Ça va. On va croiser les doigts pour qu'il y ait un dirigeant qui passe la quarantaine, ouais, c'est ça. Ah, mais tout le monde chat va revendiquer mon trône aussi, c'est terrible.
Toi, 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 toi. Un manuel épuisé. Ça me coûte 50 balles? Non. Ça ne m'intéresse pas. Ok, donc. Ça, c'est conquis. On n'en parle plus. Est-ce que... Ok, ça fait partie du duché du Lafide. Ça marche. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un. Je ne sais pas encore qui. Un Perse. Hormoz. Toc. Voilà. Donc, les du Lafide, on a toujours une trêve avec eux, je pense. Oui. On a encore 22 mois, d'accord. Ce qui nous laisse le temps de pouvoir attaquer les chars azur. Qui sont... Ah non, bah non, parce qu'ils sont alliés avec un gros morceau à côté, d'accord. On va attendre un peu. La phase de trouble est en transition. Mais ça, c'est personnel, ça, on veut pas savoir, ça. Enfin... Ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce qu'on a? Une faction. Ah. Ça a l'air d'être des pécores. Bon, par contre, mais regardez quoi. Tous ceux qui revendiquent le trône, ça fait une faction à chaque fois. C'est un sup. C'est terrible. Bon, j'ai... Hein? Qu'est-ce qu'il veut lui? Mais t'es qui toi en fait? Ah d'accord, bah, alors je voulais t'attaquer, tu m'attaques. Bah, très bien. Ça marche. Faisons comme ça. Est-ce que j'ai des alliés par contre? Le Gurid, c'est un vassal. L'art. Ouais. J'ai pas d'alliés à l'extérieur. Ok. Oh, t'as des alliances dispo. Ah bon? Ah oui. Bon bah il veut pas venir. C'est bien ma veine. Salut Ritia, comment vas-tu? Eh oui, bon appétit exactement. Ok, 3004, faut qu'on arrive à les taper avant que leurs alliés arrivent. Parce qu'ils ne vont pas tarder. Ah, ou alors on les chope ici. Merde, on va pas réussir à les choper. Scheiße. Est-ce que j'ai un bonus de montagne quelque part? Avantage dans les collines et les montagnes? Très bien. Oh, comment ça on perd? Attends, mais c'est pourquoi qu'ils... Oh, fais chier. Est-ce que j'ai un ordre religieux? Je crois pas, hein. Bon, on va perdre la province qu'on vient de conquérir. Comme par hasard. Qu'est-ce qu'il raconte, Elvixar? Bonjour. J'ai l'impression que tu dis n'importe quoi. Ok, faut qu'on fasse gaffe parce que là, les factions, ça va commencer à bouger, du coup. Malédiction levée. Très bien. Eh oui, Kwakubé. Koulix, merci pour le follow, bienvenue. Bon, faut qu'on revienne taper par ici, mais... Mais c'est chiant. On n'a pas un développement de ouf. Dans les montagnes, c'est compliqué, quoi. Et salut Kenro, bonsoir, bonsoir. Je peux faire 4 alliances? Je peux faire 4 alliances? Comment ça, je peux faire 4 alliances? Ah non, j'ai 4 alliances. Ah oui, putain. Ça c'est interne. Ouais, c'est interne. Khorasan. Ouais, bah non, si c'est que du Khorasan, de toute façon, c'est que c'est de l'interne, ouais, forcément. Alors, je n'ai plus de chapelain de la cour, mon dieu. 33, let's go. Les pimes, c'est pas ouf, c'est réel, comme dirait j'en ai. C'est une game en ligne. Non, non, c'est chez moi.
Bon, on tente. Allez, on tente. Oh putain, on va encore perdre. Ça saoule. Bon, bah, tant pis. Alors, je vais devenir le trait sociable, ou appliqué, ou tempéré. Non, bah, sociable. Bon, bah, c'est mort. Hein. C'est mort pour cette guerre, malheureusement. Bon, on va dissoudre les armées, on va pas perdre plus de troupes que ça. En plus, ça nous coûte de l'argent. Bon, il faut vraiment qu'on développe le pays. C'est une obligation. Déjà, faut stationner les troupes également. Ça va être quand même pas mal. Il y a peut-être des bonus que j'aurais pu avoir si j'y avais pensé. Ok. Je crois qu'il voulait pas toi comme seigneur Lige. Ouais, je crois, oui. Bon, on les laisse dépenser de l'argent. Merde. Ah, ma mère est morte. Ok. J'ai cru que c'était moi, mais non, c'est bon. Alors, l'apprentissage d'une langue avec le Marzoban Mansour. Il va parler l'afghan. Enfin, le Pashtun, quoi. Ici. Lui, le Sogdien. Et là, ah, l'Alain. Allez, on va apprendre l'accent. L'afghan. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je n'ai plus de percepteur d'impôts. Mon lieu. Donc lui, il y est déjà. Dommage qu'on puisse pas les voir. Attends, lui, il y est déjà. Lui, il y est pas. Ok, ça va être lui. Tac. On va lui prendre tempéré, c'est une vertu. C'est une ville, en Finlande surtout. C'est principalement ça. Eh mais ça se développe bien l'imamisme là, c'est cool ça. Après on a pas mal d'ismaélites. Qui sont aussi des chiites, mais c'est juste pas le même courant quoi. Je me sens dans ta game. Non. Non, non, non. Ça n'est pas un multi. Alors, ça donne quoi? Bon, on a perdu, ok. Les Abbassides, ils ont repris quelques terres, j'ai l'impression, ouais. Je me demande quand même si ce serait pas worse de reprêter allégeance au calife. Je sais pas. Par contre, il y a ça. Ça, on peut peut-être les attaquer, eux. Pourquoi j'ai perdu en intendance, par contre? Ah, parce que ma mère est morte. Est-ce que quelqu'un m'éduque? Oui. C'est qui? Ok. Pourquoi j'ai perdu deux, là? C'est chiant, ça. Une question, quand on a acheté le jeu avec tous les packs, on a le pack auquel que tu joues. Attends, je saigne des oreilles. Le pack. Qu'est-ce que t'entends par pack? Le DLC, tu veux dire? Bah, si tu as acheté le DLC, oui. Mais il est sorti il y a quelques jours maintenant. Ouais, c'est ça, c'est technique de la trahison en fait, c'est pour les manger de l'intérieur. Je sais pas si c'est facilement faisable ou pas. Et en même temps, regardez, il y a lui là, il demande juste à se faire manger. Hein. Ah oui, il y a un truc très bien, regardez. Ça c'est grâce au DLC justement. On peut unifier la maison, ce qui veut dire qu'on peut l'attaquer pour que tous ses vassaux qui sont de ma dynastie passent sous mon contrôle. En l'occurrence ici, ça ferait ça. Ça, c'est quand même pas mal comme truc. Donc oui, bah si t'as acheté le... Comment on appelle ça? Legacy of Persia, le DLC, oui, oui, tu... De fait, tu pourras y jouer, c'est le principe même de l'achat. J'ai quel âge, moi? 13 piges, ok. Alors, soit je deviens vindicatif, soit chaste, non, soit je deviens entêté. Vindicatif, ça apporte quoi? Moins de diplomatie, plus d'intrigue, plus de prouesse et entêté. Plus d'intendance. On va faire ça. Je vais devenir entêté. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux se mettre sous l'autorité du calife pour faire une game de développement et ensuite détruire le calife? Détruire, je sais pas. Mais en fait, le risque, c'est que il me demande de me convertir. Parce que là, bon, moi je suis chiite, lui il est sunnite, bon, on se regarde chacun d'un côté, et voilà. Mais s'il me force à me convertir, ou même, pire, il me dépose
parce que on n'a pas la même religion, bon, c'est chiant, quoi, vous voyez? C'est vrai que ce DLC est quasi vide. Bah, non. Bah alors, oui, alors. Si tu joues avec le compte d'Issoudun, c'est vrai que ce DLC va pas apporter grand-chose. Par contre, si tu joues en Iran, ça va, quoi. Tout à fait, le ciel. Ah oui, en fait, pour ceux qui ont suivi un peu les aventures aussi sur FM24, là, je suis monté en saison 2 en Ligue 2 avec Dijon, bien sûr. 5 premiers matchs, 5 victoires. Et puis alors, attention, hein, des belles victoires. Hein. En vrai, faut que je vous montre ça parce que c'est beau. C'est beau. Quoi couper? Et oui, quoi couper. Yarbed, merci pour le follow, bienvenue. Bon. Ouais, attends, on va attendre un peu. Bam, est-ce qu'on peut les attaquer, Bam? Oui, on pourrait techniquement. Ok, donc eux, ils ont tout mangé. Ah, ça, c'est insupportable, ça. En plus, il est allié au Vaspour Rakan. Ok, donc ça va, ils sont pas très nombreux. Et ici, ok, eux, ils ont des alliés ou pas? Non. Ça peut être l'occasion. Oui, mais c'est ça. Mais le truc, la dernière fois, c'est que j'en trouvais pas de secret à la cour du calife. Donc tiens, je vais en chercher. On va regarder justement si maintenant j'en trouve. La dernière fois, on n'en trouvait pas. On a passé des années à en chercher et rien. Où est Lou? Ouais, ce soir, Lyon a gagné au foot, tout à fait. Allez, on a pris la langue scythe. Alors que les Toulonides ont pris une partie de l'Empire Abbaside. Ok, donc les Toulonides vont sûrement supplanter les Abbasides à terme. C'est plutôt pas mal. L'unité de la maison. Alors attends, elle a été modifiée. Il faut que j'arrive à la remonter, hein. Guidez les membres de votre maison pour faire plus fréquemment la guerre. Le développement d'un pays demande du dévouement, le plus souvent des nombreuses conquêtes. Ouais, ok. Et là, les loges Futuwa. On va faire ça, tiens, on va tester. On va parrainer des loges. Si tu ne veux pas? Quoi? C'est honteux. 6-9 flat... Oh putain, la 6-9 Flatrick, incroyable. Oh la ref. Toi aussi, le Harry Frog, t'avais des CD gravés avec Compile 6-9 Flatrick, Funk, Rare, Scarface. Game en Afghanistan. Ah ouais? Bah écoute, non, bah alors, j'ai pas 50 heures de jeu encore sur le DLC, mais oui. Comment ça, Twitch, je veux pas, Gustavo, mais c'est scandaleux, on est d'accord. Et merci d'avance, du coup, mais enfin, merci pour l'intention, mais. Bon, il a rien trouvé. J'ai pas vu sur quoi je cliquais, mais on y retourne. Les bons vieux CD gravés. Salut Magistère, comment vas-tu? Je suis arrivé sur Lyon à la fac, des potes disaient ça tout le temps. Ah, c'est pour ça, ok. Bon, vous voyez là, je suis en train de regarder en même temps sur la cam, ça scintille un peu, ici, si je me trompe pas. Donc il faut que je règle encore des choses. Et oui, t'as vu YouTube, on a un nouveau setup là, absolument incroyable, mais ça demande encore du réglage. Donc, tu vas le bouffer pour quelques VOD. Mais tu déranges, Gustavo, c'est sûr. C'est sûr. Je suis sûr que c'est ça. Alors, j'ai quel âge là? Ok, on va bientôt avoir. Encore un an et demi à attendre. C'est long. C'est long, c'est long. Pour améliorer le setup, faudrait changer de jeu. J'ai 33 ans? Non, pas du tout, en plus. C'est faux. Alors, les Mahayan, les Mazdéens, tout ça, les Afridunistes, j'avais oublié ceux-là. Ah, c'est bon. Ils sont redevenus indépendants. Ouh, mais attends, mais tout a éclaté, mais c'est très bien ça. Alors, on va les réattaquer du coup. Les Dulafides. Ah, mais aussi, je peux les attaquer. Ils sont liés avec qui? C'est où ça? Oh, c'est loin ça. Il n'y a que 120 soldats en plus. Bon, alors, on attaque les Dulafides. Plus ou moins d'un temps près.
C'est quoi cette île de Chypre un peu trop moderne à mon goût? Ça respecte totalement les limites, ouais. Ou presque, en tout cas. Est-ce qu'on verra du Cities Skyline 2 sur ma chaîne? Oui! Quand? Je ne sais pas. Il y a trop de trucs, là. Mais oui, carrément. Alors, ici... Putain, on est obligé de faire part une guerre sainte. Ah oui, parce qu'on est dans une phase de lutte à la con. C'est donc ça. Mais moi, je trouve ça important d'assurer notre continuité territoriale. Donc, on va attaquer pour Ardestan. Non, attends, c'est quoi la plus riche? 0,9. Bon, bah ouais, c'est ça, on va attaquer pour Ardestan. Guerre sainte. Ardestan. Il faut vraiment arrêter avec ce son, par contre, c'est pas possible. Moi, je... Non. Attends, ça peut pas se régler, ça? Ouais, mais là, non, il va me manquer des trucs. Ah mais c'est terrible. Ah, il y a le cher Muammar. Qui a eu un gosse illégitime. Eh ben bravo. Vous avez remarqué un truc? Ça fait au moins... Ça fait au moins... Ça fait quoi couper? Ça fait au moins 10 minutes que personne n'a revendiqué notre trône. Le patch a donc marché. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? 10 en redoutabilité, ok. Et là, ceux qui sont d'une foi différente... Attends, il est de quelle foi, lui? Oh bah non, attends, bah partez, monsieur. Voilà. T'es pas de ma religion, t'as pas le droit à la parole. C'est le principe même des religions. Sur la VOD, il faudra mettre le timecode des screamers, putain, j'avoue. Alors, Haroun, il les a édites. Alors, du coup, je l'emprisonne et je négocie sa libération. Hop. Peut-être que toute l'humanité a déjà la revendication. C'est possible, c'est vrai. C'est vu comme ça, c'est pas faux. Un ressenti, en tout cas, on est d'accord. Ils sont où les méchants? Ils sont là, ok. Allez. Attaque l'Ardestan. C'est quoi cette faction? Oh non. Non, toi t'exiges rien du tout, toi. T'exiges rien, mon vieux. C'est quoi ces conneries? Est-ce que t'as une fille, toi? Non. Par contre, t'as une sœur. Elle a été dénoncée. What the fuck? Alors, attendez. Il faut que j'épouse... Faut que j'épouse mon oncle. Attends, je suis déjà fiancé? Ah putain, je suis déjà fiancé. Pourquoi je suis fiancé avec elle? Non, 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 ça m'intéresse pas. Les fiançailles sont brisées. Par contre, attends, ici. Pourquoi on peut pas se marier? Je sais pas. Ah bah parce qu'elle est en... Oui d'accord. Ok. Lui. Bon bah faut que j'ai plus... Enfin faut que je me marie avec elle quoi. J'ai à 5 ans. Oh la surprise est complète. Merci Gustavo pour les 2 subs offerts, c'est gentil. C'est vrai pour ce gars. C'est vrai. Merci Gustavo pour les 2 subs offerts à la commu. C'est gentil. La question... Bah y'a un patois à Elixar bien sûr. Enfin, il y a un patois, il y a un accent, il y a tout. Bon, est-ce que ça a suffi, là? Oui, c'est bon. Une descendance pour ma dynastie. Manu Shehar. Hein? Comment ça, il est à Carite? Quoi? Il faut te convertir, toi. Vous apprenez le secret meurtre du cher Abu Rabia. Ok. Oh la honte, j'avais un oncle qui était même pas de ma religion. Quelle indignité. Ok, donc ça c'est bon. C'est pris. Par contre, la révolte, ça me dérange là. Ça, j'aime pas, vous voyez.
On va demander à soutenir les complots, on va voir si on peut inviter des gens. Ah oui, bah voilà, parfait. Chapeau. Est-ce qu'on peut l'assassiner? Ouais, c'est bon. On l'assassinera avant que la révolte puisse advenir. C'est bon. Alors que nous sommes sur le service public. Quelle indignité. Allez. J'ai obtenu le trait penseur perspicace. C'est tout moi. Ce jeu est vraiment très RP. Érudition plus 4. Alors on n'est pas fifou non plus. Hein. On n'est quand même pas dingue. Le temps des prophètes, au secours. Tupac de son prénom. J'ai la ref. Belle ref. Alors, il est temps de prendre également des conjointes secondaires. Le sultanat de Sindh. 2000 soldats. Elle a 31 ans. Et la ch'touille? Non. Fergana. C'est combien en vrai? C'est où Fergana? C'est loin. Ah non, ça va. Mais c'est mieux. 23 ans? Mais elle est moche, non? Elle est déjà enceinte en plus. Quand même. Bon bah allez. Et oui, il faut virer la régence en effet. C'est ma tante. Combien je lui offrirai en or? 140. Lui envoyer un cadeau, ça coûte combien? 50. On est passé en positif, mais c'est pas fifou. Hein. Allez, on tente. Oh, la surprise est complète! 5 subs offerts, incroyable. Merci beaucoup, Gustavo. Merci. Et salut, Nolito. Alors, ça donne quoi, ce DLC? Depuis que ça a été rééquilibré, et que tout le monde ne revendique pas mon trône toutes les 5 minutes, c'est beaucoup plus agréable. Ah, mais on peut créer le duché disparant, bien sûr. Que l'on va prendre. Est-ce que j'ai pas trop de duchés? Si. J'ai quoi? J'ai Isfahan, le Tabaristan et Fars. C'est où, le Tabaristan? C'est là. Eh ben, on va le donner, ça. On va le donner à qui? À lui? Ah non, c'est un Zaïdite. Alors, attends. Mais ils sont tous Zaïdites, en fait, ici. Bonsoir. Ah, je peux condamner les péchés. Vos mollahs publieront une condamnation de ces péchés, ce qui vous permettra de le déclarer inapte à gouverner dans votre pays. On va déjà commencer avec lui. Ça me fait claquer 100 en piété. Et c'est un motif de révocation de titre. Voilà. Est-ce que chez les imamites, il y a une sorte de califat? Oui, c'est un imama. C'est pas un calife, c'est un imam, le chef. Eric, tu peux te le permettre, ça change de l'Ukraine. Putain. C'est clair. Bah après, la game Alexandre le Grand, on était vraiment ultra riche aussi. En effet, ça changeait vraiment de l'Ukraine. Vas-y, on condamne ses péchés. J'ai. Et alors lui, j'aimerais bien renégocier son contrat. Le truc, c'est que... Eh mais je peux pas, parce que... Eh oui, parce qu'on est en clanique, on n'est pas en féodalité. Est-ce que s'il a deux titres de... Ah, mais c'est moi qui hérite. Ah, mais attends, mais faut mourir, en fait. Ok, il faut que je pense à l'assassiner, lui. Dès que lui est mort, j'assassine lui, là. Parce que c'est moi l'héritier. Attends, mais lui, justement... Attends, qu'est-ce qu'il fait? Attends, il est rentré dans ma chambre en voulant essayer de se taper ma courtisane. What the fuck? Partez, monsieur. C'est ma chambre, en fait. Allez, on va accorder une audience, la première audience, depuis l'accession à la majorité. Il est saïd, en plus. Mais oui, en plus. Soin. Un accident de minaret, ça. Regardez les notifs, tu verras que t'es hérité de plusieurs titres. Oui, mais je préfère le découvrir à chaque fois. Soin. Les secrets pertinents, donc la connaissance. Fardine. C'est bien ça. Fardine Mouk, bien sûr. Au secours. Non, bah même chose, sans claquer d'argent ici, c'est bien. Hein. Alors, Bukhari. Rostam Bukhari va être échanson. Ou champion personnel, ouais, plutôt champion personnel. Ok.
Bon, par contre, s'occuper du domaine là. Eh, mais elle est nulle. Hein. Salut Tagmago, comment vas-tu? C'est incroyable. C'est incroyable, on est mort. À peine le temps de profiter de la majorité. Je crois que je n'ai même pas eu le temps de toucher mon épouse. C'est une dinguerie. Bon bah j'ai 11 ans. C'est donc le sixième dirigeant. Et du coup, bah bizarrement, il y a une faction, tiens. Oh, ça m'étonne. Ça m'étonne. Ouais. Opinion vers le prédécesseur. Mais ça c'est une dinguerie aussi. Opinion vers le prédécesseur, du coup, il l'aimait pas parce qu'il avait toujours les trucs à moins 100. Et du coup, c'est un cercle vicieux de ouf. Ils me détestent tous. Hein, c'est la merde. Mon héritier, c'est lui. C'est mon oncle. Attends, il reste combien de gens de ma maison en vie là? Parce que 49, ok, ça va. Parce que. De moins en moins, j'ai l'impression. Hein. Oh, puis en plus, on est. Oh là là! On a beaucoup trop de titres, on est nul. Au secours. Attendez, lui, je vais lui accorder un titre déjà. C'était lequel? Merde, je sais plus. C'était le Tabaristan, non? Oui, c'est ça. Ok. Alors attendez. Salut The Maxou, comment vas-tu? Salut Mister Matteo également. C'est pas les rois maudits, c'est les Amirs maudits. Ouais, c'est assez fou, hein. Possible que j'ai des mosquées, ouais. Même pas. Il y a que une ville. Le reste, c'est que des vilayas, mais c'est parce que lui, il avait déjà des choses. Ça, je vais le donner à qui? Allez, un random. Tac. Ça va être compliqué là. Non, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Faut juste que je vois pour donner des titres. Ouais, moi j'ai tout ça, c'est trop. C'est beaucoup trop. Ça, je l'ai pas, ça. Bah lui, du coup, tiens, je vais lui donner. Putain, mais il me déteste, c'est une dinguerie quand même. Y a pas à pas aimer les gens comme ça, en fait. La tolérance, le respect. Faut que je donne farce. Si je veux garder le centre ici, faut que je donne farce. Je vais donner à qui? Aziz. Lumière. Hein? Attends, what? Attends, je peux donner ça que à mon régent? What the fuck? C'est qui mon régent? Ah oui, ok, c'est lui. Ah bah je vais lui donner. C'est un roturier. Putain. Eh ben allez, tu vas fonder une nouvelle dynastie, tiens. Bravo. Tac. Ah mais j'ai pas nommé de vizir au fait. J'y pense. Est-ce que j'ai un vizir? C'est où qu'on nomme les vizirs déjà? C'est là non? Je sais pas où c'est. Putain mais voilà, mais ils ont tous une revendication sur mon trône, c'est abusé. Est-ce que ça parle farsi dans ton pays? Oui, tout à fait. C'est comme ça, j'aime bien donner des terres à des pécores, comme ça après il était bien. Ouais, mais là j'étais obligé de le donner à mon régent, en fait. Mais oui, oui. Salut Giorno, il y a comment pour avoir le script? Eh ben c'est dans le titre. En exclamation défi. C'est pas dans la cour que tu nommes ton vizir? Dans le conseil là? Non. Régent rival. Ouais, mais en fait, ils sont tous mes rivaux.
Ou presque, parce qu'il revendique tous mon trône. Genre, lui, je suis sûr qu'il y a une revendication. Bon, alors, non, en l'occurrence. Mais quand même. J'ai encore deux comtés en trop. Hein. Alors ça, je peux le donner. Ok. Donc ça, je vais le donner, du coup. Un pécor. Mais le mec me déteste déjà. Pas d'alliance en tant que vassal clanique. Mais tais-toi, ami imaginaire. Comment ça, ami imaginaire? J'ai un ami imaginaire? Ah oui. Ah merde. C'est moche. Oui, Sarsi. Oh putain. Despacito, Gustavo, Despacito. Sinon, comment avance la Perse? Bah écoute, compliqué. Là, disons que l'espérance de vie est plus que limitée. Mais bon, on s'accroche. Alors, il y a carrément une faction de dissolution. Il ouais, faut arrêter, vraiment. Bon alors, attends, ce qu'est... là c'est trop faible. Là c'est trop faible, là c'est trop faible partout, ok. Il faudrait que je me trouve une alliance ici. 13 ans. Elle est paranoïaque, impatiente, ambitieuse. Y a pas quelqu'un qui voudrait une belle alliance, là, 4000, 6000 soldats, le calife, là. Alors, on n'est pas de la même religion, certes. Alors, attends, opinion du calife à l'égard de l'entremetteur. Ouais. Elle y trouve une mésalliance, la foi, ça fait que un moins 25. Qu'est-ce, parce que le calife peut pas me blairer, en fait. Je vais même pas lui jurer fidélité. Ok. Comme une, plutôt comme une mouche, ouais. Vous lancez une guerre avec tous tes vassaux en commandant et envoyez vers une défaite certaine. Franchement, ouais. Hein. Ouais, mais lui promettre un grand mariage, ça coûterait des ronds, quoi. Je vais tester quand même, attends, on va regarder. Donc là, non, on utilise la piété et grand mariage. Non, même pas grand mariage. Putain. En mariage, on est à moins 1. Terrible. Bon, bah là, on peut pas. Non, mais de toute façon, faut que je trouve avec mes vassaux. Ici. Ça va être elle, mais ça m'intéresse. C'est chiant. Allez, et de une. Voilà. Mais ça a pas suffi. Il m'en faudra donc une deuxième. Bah non. Alors, je vais défendre mon honneur. Donc soit je deviens vindicatif, soit je deviens lâche. On va dire que je vais devenir vindicatif. Hein. Voilà. C'est nouveau les grands mariages? Ouh non, ça date de... C'était quand? C'était il y a 6 mois, non? Je sais plus. Avec Tours and Tournament, oui, c'est ça. Donc là, il en reste encore. Sauf que eux, ils n'ont pas d'enfants. Et j'ai pas. Ah, j'ai une sœur, je crois, si. Non. J'ai une tante, mais. Par contre, d'ailleurs, j'en profite, mais il va falloir se convertir là. Vraiment. Faut se convertir partout, mesdames. Ouais, ouais, je peux avoir plusieurs épouses, ouais. Mais il n'y en a aucune qui m'intéresse là. Alors attendez, changement d'unité de la maison. Oh, ça a encore baissé, c'est le bordel. Comment je peux faire pour remonter les choses ici, en fait? Il faut faire des choses qui sont positives. D'accord, mais lesquelles? J'ai toujours raconté trop. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Je vois pas lesquelles je peux faire, en fait, comme truc. La game est cursed, oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Décision d'unité de la maison. Imposer un réseau d'intrigues. Ça, ça les unit, ça? En fait, faut que je fasse ces trucs-là pour remonter, je crois.
En fait, ma femme, je peux pas encore la prêter à mes rivaux, dans le sens où on n'est que fiancés. Donc elle est techniquement pas encore là, tu vois. Elle est là encore. Donc je peux même pas lui la donner en otage. Les alliances avec les membres de la famille, ouais, ouais, peut-être, ouais. Mais bon, vu que j'arrive pas à avoir un dirigeant qui fait des gosses, puisqu'ils meurent tous avant, bah c'est insupportable. Alors, mon oncle. Mais ça fera pas d'alliance. C'est pas grave. Prêter ta... Bah non, pas prêter ta meuf, mais tu la donnes en otage à une cour. En fait, tu peux donner quelqu'un en otage à une cour. Ouais. Les moments de jeu. J'ai le béguin pour Ragia. Ah, c'est tant bien, c'est ma fiancée. Ah, je vais être obligé de donner un comté, hein. Là, ça me fait aussi un malus. Bon, alors, c'est pas le pire malus du monde. Mais bon. Au fait, attends. Parce que lui, il s'en sort bien, au final. Hein. Ouais, je peux pas l'assassiner, j'ai pas 14 piges. À l'aide. J'ai l'intérêt d'avoir beaucoup de descendance. Eh ben, je veux. J'aimerais bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ken, avant d'avoir tiré ton coup, cote à un 5. Ouais, c'est possible. C'est vraiment possible. Est-ce que lui va devenir major déjà? Je suis même pas sûr. Mon héritier, c'est qui? Je crois que c'est mon oncle. Attends, je vais regarder après. 34, 22 x 4, je retiens 12. C'est bon, on va gagner là. Voilà. Mon héritier, c'est donc... Merde. C'est donc complètement mon oncle. Et ami, il m'aime bien, lui, ça va. Voilà. Et c'est pour ça que je voudrais très vite avoir l'Empire. Comme ça, je leur file des royaux, mais c'est plus simple à gérer ensuite, quoi. Sang et or, angle mort. Mmh. C'est moi, ça? Non, moi, je suis Mohamed Tahir, ça, ok. Mon ami Yekta n'a pas arrêté de toute la journée de me faire des remarques à propos de mon comportement. Comment ça? Comment ça, mon ref? Je vais devenir tempéré. C'est vertueux pour les imamites. Opinion plus 10. Ok, on fait ça. Et je ne suis plus gourmand. Parfait, je peux donc perdre du poids plus facilement, je pense. Déjà, je vais caresser mon chien. C'est déjà bien. Ses héritiers à mon héritier? Je crois qu'il a que des filles. Ouais, il a eu deux filles pour l'instant. Est-ce qu'il y a moyen? Voilà, sa femme a 45 ans et il n'a pas de conjointe secondaire. Donc, disons que ça m'arrangerait pas, quoi. Je vais regarder dans l'arbre. Ensuite, ce serait qui? Mon autre oncle, qui lui a une fille. Ensuite, ce serait mon autre oncle. Putain, mais j'ai que des oncles, alors j'arrive pas à faire de gosses, je comprends pas. Fruard longue jambe. Très bien Fruard là. Bon, il est tajik, mais sinon ça va. C'est ça dans le ciel. Excentricité. Vous obtenez le trait excentrique, non? Ah, alors c'est soit excentrique, soit paranoïaque. Il n'y a pas un juste milieu, non, d'accord. Gain de stress plus 100, non, on va éviter. Et là, 50. Oh, le deuxième oncle a de bonnes stats. Ah ouais? Oh putain, regardez, il est là. Il veut régner sur le royaume de Perse. C'est vrai qu'il a de bonnes stats, lui. Ouais. Bon, bah, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Alors, c'est lequel? Il est où? Le chef est là. Il a 2800 soldats. Au secours. Je n'ai pas un seul allié. Attends.
Attendez, il y a peut-être un truc à faire. C'est que elle, on peut briser ses fiançailles. Attends. Puissance d'alliance. L'émirat de Bassora, 2900 soldats. Ok. En fait, c'est bon, on va se faire une alliance. Ici, c'est bon. Elle avait une autre sœur, une autre demi-sœur. Ouais, lui, il est utile, pour le coup. Lui, c'est utile. Dommage, Jornou. Bonne soirée. Bassora l'a dit, c'est combien? 2900 soldats? Ok. Et au total, ils en ont 5200. Oh putain, c'est trop. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est un sup. Faut que je me mette pas trop loin pour lever mes armées. J'ai un très bon commandant ici. Bon bah en avant, hein. Ah, ils sont dégueulasses. Ils sont tous dégueux. Ok, et donc lui, je peux l'appeler. Il veut pas venir. Comme adverse de la lutte? Comment? Comment ça, comme adverse de la lutte? Oh, le relou, elle servait à rien, cette alliance, putain. Non, mais c'est défensif, mais regardez, je vais lever 3000... C'est trop. C'est trop. Le seul moyen, c'est de réussir à les esquiver. Et lui est dans sa capitale, donc faut arriver à le capturer, quoi. Oh, putain, ça saoule. Ouais, il faut se casser. Cassez-vous! Ok. Ouais, c'est coup dur pour l'instant, mais... Alors, faut pas qu'ils assiègent ma capitale non plus, j'y pense. Parce que je peux pas me barrer, je suis un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça favorisera grandement votre intérêt d'éducation en martialité. J'ai un tuteur, au fait? Oui. Ok, pour... ouais, ok. Oh la putain, il y a le Chakov qui nous cite Diams. Superbe. Pas sûr, mais superbe. Descendance pour ma dynastie. Bah, c'est bien, mais faites des gosses, mais... Moi, ils régneront un jour, hein, mais... Si on pouvait le capturer, ce serait royal. Merde, négocie une alliance, je sais pas. Vishtab, mon régent vassal et rival, je lui accorde mon pardon. Je sais pas si ça va aider, mais il y a encore une révolte là. Oh. C'est trop. C'est vraiment trop. Putain, on l'a pas capturé. C'est terrible. C'est terrible. Bah tant pis, hein. On va quand même continuer de convertir les terres, hein. C'est... Paix blanche, ouais, je vais voir si la paix blanche, elle peut passer. Je pense que c'est trop tôt pour que ça passe. Oh, ça passe. Oh, oui. Oui. Oh, superbe. Ah, c'est bien ça. Ça c'est... Et du coup, ça affaiblit toutes les autres parce que pour l'instant on a une trêve, donc pendant 4 ans on est tranquille avec lui. Je vais quand même tenter de l'assassiner dès que je peux. Hein. On va quand même pas déconner. J'aimerais bien... Oh putain, ils sont imamites aussi. Ah ouais, alors là, ça va être compliqué par contre. Les Khazars accepteraient? Attendez. Les Khazars accepteraient une incursion pour attaquer les Safarides. Oui, les Safarides. Au secours, une émiresse s'appelle la Crotte.
J'ai pas assez d'argent. Ok, il faut que j'accumule de l'argent pour financer une incursion pour que les Khazars affaiblissent mon voisin. Pas simple. Hein. Pas simple. Ah bah mon rival est mort, ça valait pas le coup de le gracier du coup. Tu m'aimes bien toi du coup? Ouais, ça va. Ah ça va, c'est relatif quoi. Technique de chien mais technique efficace. Ah c'est tout à fait, non mais là c'est bon. Hein. On va pas la jouer gentille, on va la jouer vraiment fourbe. J'ai compris, j'ai compris. De toute façon, j'ai quel âge? J'ai 14 ans, j'ai encore une durée de vie de 3 ans maximum. Donc, voilà. Et oui, il faut que j'améliore mon armée aussi, ouais. Ouais, faut tout, de toute façon, faut tout faire, là. Y a tout à faire. Hein. Parce que globalement, bon, on arrive à agrandir le territoire au fur et à mesure, hein. Mais, c'est pas simple, simple. Alors, lui, il est déjà. Lui aussi. Pour lui. Tac. Salut Atlas, comment ça va? C'est de devenir un homme avant de mourir. Ça va être compliqué, le défi, passer la vingtaine, ouais. J'avais pas vu, mais l'overlay où il y a ta religion, ta culture et ta tête est super jolie dans cette région du monde. Hein? Je suis super jolie, tu veux dire? Oui, c'est vrai, je peux le dire. Enfin bon, je préfère vous le laisser dire, mais oui. En bas à gauche. Ah, ici, oui. Oui, c'est beau, en effet. C'est bleu nuit, tout à fait. Bah, c'est les mille et une nuits. Hein. Bon, c'est... On va rentrer dans les clichés. Ah, c'est Aladdin, hein. C'est Alibaba, c'est tout ça. Bon. La casquette joue beaucoup, hein, c'est vrai. Secret dévoilé, oh mon dieu. Ah, mais je sais, en fait. Attendez, je vais chercher les secrets à ma cour. Peut-être que je vais avoir des vassaux qui vont y passer et ils vont me révéler des trucs. Le 4 Atlas. Tu es poète? Ah ouais, c'est important d'être poète pour être chasseur, hein. C'est la base. Des brûlures de tapis. Linktree pour en savoir davantage, exactement. Parlant de ça, attendez. Enfin, bon, bref, j'attends la fin de la VOD. Faut que j'envoie un message juste. Mais... Parlant de brûleur de tapis. Alors, vous avez le béguin pour Saba. Ouais, elle peut devenir reine, ce serait beau. Non, pas tant, elle a 12 piges. Ah si, on tente. Oh, c'est bon, c'est réciproque. Superbe, encore une descendance. Point d'exclamation, fin du live, malfaiteur. Ce qui donne la réponse que je donne à chaque fois, en général. Et je ne le dis pas pour favoriser les interactions dans ce chat, bien sûr. Alors, Charouk commence à interrompre les complots. Allez, continue. Cherche des secrets, mon vieux. Une hybridation perso-bédouine. C'est là? Ouais. Ok. Voilà ma réponse. Bah du coup, on va les attaquer, les persos bédouins, je pense. Ils sont tout faibles, on va en profiter. Bonjour, c'est pour conquérir le comté. Alors, j'ai moins sursauté, mais j'ai sursauté quand même. Mais moins, je progresse. Ça va. Soin. Poète. Ah, franchement, j'aime bien les musiques. Poète. Ouais, elles sont excellentes, ouais. C'est clair. Infidélité, oh mon dieu. Assad. Ok, je vais te faire chanter, toi.
T'as pas toutes les imitations, mais le pouet, tu l'as. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'ai un très bon pouet. De manière générale. Ok, en plus, c'était légit de l'avoir. On est à 6 sur 6. Parfait. Nickel. Peut-être que l'exécution de précision... Ah, mais oui, mais tellement en plus. Mais t'as raison, en plus. J'ai dit 8 fois en plus. Pourquoi je peux pas? Oh, parce que ça coûte du prestige. Et depuis quand ça coûte du prestige? Parce qu'on est en tribo, bien sûr. Mais oui, t'as raison. Carrément, faut juste que j'ai du prestige, quoi. Non, mais tout va bien hein, dans cette game, globalement. Alors, ma tab, ma belle-sœur, on va la faire chanter aussi. Ou alors déculturer la tranche, ouais, exactement. On va le faire dès maintenant, d'ailleurs. Tac. Culture perso bédouine, mais on est où, là? Soldat endurci, OMG, je suis devenu adulte. YouTube, sur cette magnifique nouvelle. Ça y est, j'ai 16 ans. Et franchement, pas... Oh putain, zéro en diplomatie, par contre. Zéro en diplomatie, 18 en martialité. Le mec est teubé, mais il tape très fort, donc on lui dit pas. YouTube, la suite dans la prochaine VOD. Si ça t'a plu, n'hésite pas, un petit pouce bleu, un commentaire et un abonnement, hein, si c'est pas fait. Et on verra dans la prochaine VOD si je meurs au bout de 5 minutes ou pas. Bisous.